plus de soutenance de mémoire à la faculté des lettres, langues, arts et communications de l'université d'Abomey-Calavi. Ainsi en a décidé le premier responsable de la dite faculté. Une décision qui réjouit plus d'un. Une grande joie, je dirais, avec satisfaction, parce que ceux qui nous ont permis d'être membres BUE sont fiers. Et si ceux qui nous ont aidés sont fiers, c'est que nous aussi nous sommes fiers. Pour nous, c'est une décision vraiment salutaire. C'est une décision nécessaire pour la vie des étudiants, notamment de la faculté des lettres, langues et communications dans leur majorité. À en croire les responsables étudiants, c'est bien de haute lutte que cette décision a été prise. Et les raisons de satisfaction sont probantes. Parce que la faculté des lettres, langues et communications a un problème un peu profond. C'est un problème relatif notamment au manque d'enseignants. Et qui déjà a un impact direct sur la soutenance de mémoire. Parce que lorsqu'on prend par exemple la faculté des lettres, le département des lettres modernes, où ils ont au total 9 enseignants. Ces 9 enseignants auront pour tâche de couvrir, de diriger des mémoires des étudiants, où il y a plus de 300-400 étudiants. Déjà, ça a un impact direct sur la suivi en réalité au niveau de chaque apprenant. C'est pour laquelle nous, étudiants, on avait lutté dans le passé, le 8 mars 2023, pour la suppression des soutenances à la FLAC, et qu'on a de manque de personnel administratif. On n'a pas des enseignants à la faculté de lettres, langues et communications, ce qui a fait que si les aînés, si nous finissons en tant qu'étudiants, on peut faire jusqu'à 5 à 10 ans à ne pas soutenir. Or, si on va, on étudie, c'est pour devenir quelque chose. C'est pour prendre le diplôme pour pouvoir rechercher ce qu'on doit faire. La soutenance sera désormais remplacée par un rapport d'une quinzaine de pages. Dans ce cas, l'étudiant diplômé issu de ce nouveau système pourra-t-il rivaliser sur le marché de l'emploi avec quelqu'un qui a soutenu? Les étudiants pensent que oui. C'est vrai que la rédaction de mémoire est un élément essentiel en réalité dans le parcours, dans notre parcours académique. Toutefois, je pense qu'avec les éléments que nous avons le temps d'acquérir de par nos enseignants, nous avons quand même la capacité nécessaire pour pouvoir nous faire valoir sur le marché de l'emploi. Aussi, il faut reconnaître que si tant est que cela avait également un impact trop pesant, trop truc là, je pense que l'autorité également n'allait pas, après maître réflexion, sortir de telles décisions pour pouvoir faciliter en réalité la tâche aux étudiants. Mais au-delà de tout, certaines craintes persistent. On constate que ça aboutit. Mais la question reste à poser si réellement l'accord ou bien la façon dont ils ont pu valider les trucs pour supprimer la soutenance à la FLAC, il n'y a pas de questions, il n'y a pas d'autre chose qui se cache derrière. Donc c'est ça que nous devons chercher. De toute façon, la mise en exécution effective de cette décision nous édifiera beaucoup plus dans les jours à venir.